Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la promotion de l'épisode 2. Oh là-bas, j'ai couché avec plein de monde. C'est une nouvelle série. J'ai couché avec trop de monde. De Marcus Bonus. De Fallout 4, pardon, excusez-moi, je suis complètement perturbé d'avoir couché avec autant de monde. Ah ok, donc je crois que ça bug du coup au niveau de l'affichage parce que je suis équipé de ce... Non, même pas. Où est-ce qu'il est censé être coulé normalement? Ben, je l'ai pas sur moi? Mon vieux m'a appris qu'on pouvait réparer n'importe quoi. What the fuck? Voilà. Ah, je couche toujours avec des gens. C'est très bizarre. Affiche-moi une autre information. Notre petit voilà, j'ai annulé l'information par une autre. Cool. Donc voilà, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fallout 4, chers amis. Et vous allez voir que j'ai rajouté encore quelques mods. Donc, quelques mods. Donc, un qui modifie légèrement notre Kate. Alors, j'aime pas ta tête, soyons honnêtes. J'aime pas ta tête dans celle-ci. J'apprécie cependant beaucoup les tatouages, le côté très tatouage. Mais j'aime clairement pas ta tête. Il faudra que je revoie ça si je peux pas remodifier le truc. Donc aussi des modes graphiques. Maintenant, tout est passé en 4K, chers amis. Ça y est, tout le jeu est en 4K. C'est pour ça que vous ne voyez pas la neige. C'est un mode qui remplace toutes les textures du jeu. Ça peut être sympa. Et du coup, je vois que mon flingue aussi est mouillé. Ok. Et donc, chers amis, dans cet épisode, on va faire un autre truc encore un petit peu particulier, on va dire. On va se rendre à Good Neighbor, à pied. Hop. Nous allons nous y rendre à pied avec Kate, qui va nous faire un petit peu d'aventure, déjà. En règle générale. Hop. Voilà. Voilà, et nous suit, c'est parfait. Et on va s'y rendre dans un but très précis, très particulier. Y recruter quelqu'un. J'ai aussi installé un mode qui rend justement toutes ces... donc le fameux mode de remodification du temps, entre guillemets. Better Storm, je crois que ça s'appelle, je sais plus comment il s'appelle. Bref, qui rend tous les différents... hop, les différents... temps du jeu beaucoup plus violent. On va y faire ça depuis longtemps. L'objet est trop lourd pour être transporté. Ok, est-ce qu'on peut le démembrer ou pas? Hop, merci. Normalement, si on le démembre, voilà, il devrait être plus facile à transporter. Quoi? Oh putain! Bah, s'il y a une nouvelle à Sanctuary, c'est la fin. Soyons honnêtes, hein. Ah, je vois que je suis pas le seul à ne pas les apprécier. Oh là! Oh là! Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'ils se sont pris un éclair? Parce qu'ils se sont pris d'un seul coup beaucoup de dégâts. Ok. Montre-nous ta tête, ça tombe bien. Oh, je suis mauvais. Ok. Ah non, c'était pas... Oh bah Kenigou est venu même. Je croyais que j'étais déjà en mode, mais non, apparemment je n'y étais pas. Enfin, en mode ralenti. C'est vrai que la pluie fait beaucoup de bruit. C'est fait exprès, hein. C'est fait pour rendre l'immersion beaucoup plus importante. J'espère que ça va au niveau du son de ma voix. Alors, Kate, te voilà. Il va vraiment falloir que je te donne des armes beaucoup plus adaptées à ton style de combat. Hop, quoi qu'il en soit, nous voilà repartis. Pourtant des bestioles. Hein. Hop. J'ai l'impression d'entendre des bestioles. Hop, donc nous on va plutôt aller par là, on va suivre la route, hein, c'est pas grave. Kate, amène tes fesses. Toi, t'allais taper sur quelque chose, toi. Qu'est-ce que... Kate a vu un truc.
Oh non, tu vas pas m'échapper. Bizarre. Allez, viens, on y va, Kate. Bizarre. Alors, je dois vous avouer que cette pluie m'intrigue. J'espère. Je vais juste faire une ellipse, parce que là, malheureusement, je l'avais pas prévu, ce coup-là. Je vais faire une ellipse et je vais voir si vous m'entendez parfaitement bien. Regardez ça, un mode qu'il est bien fait. On peut régler le son des bruitages qu'il rajoute. Je vais les réduire de moitié. Hop, il y a une musique par contre qui ne me plaît pas. Bizarre. Continuons. Est-ce que c'est suffisant? Non, c'est clairement pas suffisant. Peut-être la rebaisser un petit peu. Que le thunder, c'est pas grave, je peux le mettre à fond, je peux le laisser à fond. Au contraire, ce sera beaucoup plus RP. Hop, par contre, je baisse la. Waouh! Là, c'est moi qui considère que j'ai trop baissé le son de la pluie. Hop. Potentiellement parce qu'il ne pleut plus en fait. D'accord. Enfin, il pleut, mais que sur la région là, vous voyez, regardez. Là, il ne pleut plus. Allez, bien, Kate, on y va. Direction Neighborhood. Hein? Good Neighbor plutôt. Quoi? Alors. T'es à moi, Minus. Attends un peu que je te retrouve. Hop, pillard. Ça jette un froid. Tu vas me payer. Ah. Couvrez-moi. Est-ce qu'on a autre chose de sympathique comme arme? Pas celle-ci, plutôt celle-ci, voilà. Un homme à terre. Hop là. Est-ce que le... Vous croyez que le comment que l'écorcheur va réapparaître? Sur le principe, ça pourrait être sympa. Ah, j'y ai cru, il y a eu un petit bruit. Qu'est-ce qu'il nous tire dessus? Hop. Quoi, faut toujours qu'il résiste. Il y a une chier de pillard quand même là. Hein. Hop. Où il est? Là. Allez. Il fait trop de dégâts, ce truc, j'ai l'impression. Il fait peut-être un petit peu trop de dégâts. Le voilà. Ça va chier des bulles. Tiens. Bon, remarque, cette arme-là, elle fait beaucoup de dégâts aussi. Hein. Donc, ça me semble. Ah la vache. Ah. Je voulais voir si ça marchait bien, mais effectivement, ça marche bien. Wow. Viens par l'eau. Ok. Hey. T'as dit quoi là? Allez voir s'il avait quelque chose d'intéressant sur lui. No problemo. Vas-y. Contre me faire chier, bah vas-y. Ah, apparemment elle a pas pris les cartouches, ça l'intéressait pas. Donc on a un niveau. Hop. Niveau que l'on va mettre dans... Qu'est-ce qu'il y a là? Visez stable, restez sur votre cible. Votre pression est surjugée avec meilleur à toutes les armes. Plongez dans la mêlée, les coups de crosse infligent 25% de dégâts supplémentaires. Est-ce qu'il y a un truc en rapport avec le... Il y a une chance de rendre un film, meilleure chance de rendre un film. Permet d'infliger un coup critique. D'accord. D'accord. Oh, lorsque c'est immobile, il se peut que vous désarmez automatiquement les ennemis qui utilisent des armes corps à corps contre vous. Ça peut être stylé. Chouchou, équipé de votre arme à rester, foncez sur les ennemis pour leur force. Ça va être intéressant, oui, aussi. De toute façon, tous les niveaux max seront forcément intéressants, hein, sur le principe. Hein. Qu'est-ce qui se passe encore? Ok. Hop. Voilà, on augmente complètement l'aptitude fusilleur. Et ça va être suffisant. Qu'est-ce qui se passe, Kate? T'es encore en combat? J'avais pas ces bugs de musique avant. C'est rigolo.
Enfin bon. Une balade champêtre, chers amis. Oh, c'est joli quand même, hein, regardez ça. Oh, un marchand. Hello there, je viens en paix. Non, il y a la brahmine, mais il n'y a pas le marchand. Bon. Bon. C'est con. C'est con. Tant pis. On retentera une prochaine fois. Pense à ton marchand la prochaine fois, ce serait pratique, hein. Revendre 2-3 petites choses, c'est toujours agréable. Hello there. Ah! Ah bah voilà, ça explique beaucoup de choses. Ah, la crapule. J'ai déjà payé. J'ai pas de quoi faire, moi. Vous achetez quelque chose ou quoi? Excuse-moi, Cersei, c'est pas grave. D'accord, voyons ça. Vous en aurez pour votre argent. Ok. Alors, j'aimerais te revendre des choses. Ça. Et apparemment, je sens que ça, je vais le garder plutôt. Ok, mais ce soit pas l'arme que je recherche, chers amis. Hein. Je précise, ce n'est pas l'arme que je recherchais, en fait. Hein. On reviendra là-dessus une autre fois, c'est pas grave. Hop, tiens. Tiens, prends mes chips, prends mes courges. Prends mon eau sale. Prends mes 3 fruits mutants. Mon jet, mon medix, mon melon, mes mentats. Mon Coca-Cola. Mes 3 psychos. Et on devrait être plutôt bon. Voilà. Et en échange, je vais te prendre quelques munitions, ça ne te dérange pas. Hop. Mieux que ça, je vais te prendre tout ce que t'as. Sauf le réacteur. Hop, parfait. Merci. Allez, salut. Alors. Ah, j'aime vraiment pas. Je suis désolé, Kate. Hein. J'aime beaucoup le corps que tu as avec les... Enfin, oui, le corps que tu as avec les tatouages, je veux dire. Hein. Forcément, enfin bon, même en règle générale, elle est pas moche. Hein. Elle est loin d'être moche. Physiquement parlant. Mais le visage de cette Kate-là qui a été modifiée via le mod ne me plaît pas. On va vraiment falloir que je modifie ça. Que je retourne voir si je peux avoir que les tatouages, en fait. Je trouve que ça lui va bien, les tatouages, en règle générale. Enfin bon. D'accord, t'es là. Ok. Le bruit est sympa de cette arme. Ah, bah le v'là. Il aurait mérité peut-être plus d'animations différentes. Et il va falloir un mode pour augmenter la... La quantité de choses dans le monde en règle générale. Peut-être plus de bêtes, je sais pas. Ou peut-être plus de pillards, ou peut-être pas des pillards, mais des genres des... J'ai eu de l'XP. 2 d'XP. La gueule. Ça doit tirer, ça doit être de la Ironworks là, mais... Ouais, je sais pas. Est-ce qu'on y va? La dernière fois qu'on y est allé, ils avaient des belles bestioles qui leur tiraient dessus. Ils avaient un écorcheur, si je me trompe pas. Ou c'était un plus gros, peut-être. En tout cas, la tourelle est fonctionnelle. Est-ce qu'il y a d'autres gens? J'ai vu quelqu'un. Pas du tout mon genre, ce genre de tenue. Hop. Je dis ça parce que justement, je crois que je la porte. Hein. J'ai vu quelqu'un descendre. Mais elle a disparu. Cette personne a disparu. Oh! Une minute. T'as entendu quelque chose? Non, tu ne m'auras pas. Il a failli me repérer, celui-là. Ah la vache.
Oh! Oh! Je l'ai raté! Ah. Il semblerait qu'il y ait autre chose qui les attaque. Oh, bah alors là, si là je touche pas, par contre, je voudrais comprendre. Là, je touche. Wow! Ouais, effectivement, il est peut-être un petit peu OP ce flingue. C'est tout ce que tu sais faire. Effectivement, il est peut-être un petit peu OP quand je vois le nombre de. Enfin, quoi que. Enfin, si, il est complètement OP. Mais le problème, c'est qu'il avait aucun. C'était pas un behemoth. Oh, là voilà ce que je cherchais, chers amis. Je vais vous la montrer. Voilà ce que je cherchais en fait. On va voir ce que ça vaut. Si vous la trouvez trop forte, dites-le dans les commentaires, chers amis, et moi je réglerai entre guillemets ce problème. C'est vrai qu'effectivement, elle est peut-être un petit peu forte. Après, quand tu vois la différence de dégâts avec ce magnum-là et le magnum de base, il n'y a pas tant de différence que ça, donc c'est peut-être le fait qu'on soit dans une zone simple. Hein. Je préfère le dire comme ça, à vrai dire. Après, je me trompe peut-être. Hein. Bien sûr, il est possible que je me trompe. Hein. Ah, c'est sympa, on t'est pas venu par derrière et au final, bah... Drôle de bruit. Au final, c'est joli. Tiens, il y a un vertiptère qui serait bien tombé devant nous. Hop. Le sprint, c'est toujours pas son fort. Hein. Putain, elle survivait. Donc vous voyez, il est pas si balèze que ça. Hein. Vache! Lui m'a foutu les boules par contre. Viens, je t'attends! Viens, je t'attends! Viens, j'ai un cadeau pour toi. Allez, viens! Comment ça me plaît. Donc vous voyez, c'est pas si OP que ça. Hein. Hop! Faudra qu'on rejoue au shotgun aussi, chers amis. J'ai des choses à vous montrer avec ce. Ok, on y va. A tout de suite, Kate, je reviens. Bonjour. Étrange. Je me serais justement attendu à un problème. C'est une armure assistée vide. Étrange. Encore plus étrange parce que ça ne mène qu'à ça en fait. Donc il y a un mec qui est venu ici qui a laissé l'armure assistée. C'est bizarre. C'est extrêmement bizarre. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Waouh! Y'a des bandits dans le coin? Apparemment non. Sur les toits, apparemment, y a pas grand chose non plus. Y'a pas de bandits là-bas? Tu m'étonnes là. Bon! N'empêche que le jeu, depuis qu'ils ont augmenté la distance d'affichage, il est bien. Hein. Enfin, ça se voit bien, quoi. Ça se sent. Bon, bah, écoute, Kate. On descend. T'as plus du tout de munitions? Hey. Échanger. Bah, si, t'as des munitions, mais t'as pas tes... Du 38. Bah, là, ah ouais, avec 3 cartouches de 38. Attends. En 38, je peux t'en donner. Je peux t'en donner 750, tiens, au pif. Hop, voilà. De quoi? Là, tu devrais pouvoir t'éclater. Hop, on descend. Crac. Je vais fournir des pistolets exprès pour qu'elle puisse l'utiliser, en fait, parce que je trouve que ça lui va bien, ce style de pistolet. Beaucoup trop de ghouls, effectivement.
Ah bah il a ça, un flingue qui fait du bruit hein. Ah il y avait un truc là-bas qui explosait apparemment. Bref. Qu'est-ce qu'on a comme arme? On va enfin se marrer. Putain, j'ai du sang sur mes grolles. Hop les. Un petit tête à tête avec mon couteau, ça te branche? Oh mais non, mais utilise ton flingue. Et je te chie dans le cou. Falloir que je trouve une arme de corps à corps qui lui aille bien alors. Et je veux pas lui donner un couteau. Ou alors ce sera vraiment un couteau de la mort qui tue quoi, une machette, un truc, enfin un truc bien, un truc que j'aurais trouvé en mode et qui sera bien. Je veux vraiment pas qu'elle ait une pauvre armoisie, ça me plairait pas. Les sauvages ont foutu un sacré bordel. Ouais, je confirme, ça me surprend aussi. Ça va être une vraie partie de plaisir. Hop. Ok, viens par là. Ça va chier des bulles. Oh la vache, elles sont nombreuses. Ça veut dire que tu t'es amusé, quoi. Fais gaffe, on bouffe des radiations. Ouais, c'est rien, t'inquiète. Je vais juste me prendre un... Elle a peut-être raison sur un truc, je vais me prendre un... Un rat de whey. Ça va me faire du bien. Hop. T'enlèves pas, s'il te plaît. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Pourquoi pas. Il y a un bâtiment qu'on n'a pas visité dans le coin. Good Neighbor est par là. Hein. C'est juste à côté du commissariat. Ils sont peut-être plus trop copains avec moi ceux-là normalement, donc on va peut-être éviter de les titiller. Un bloc-notes. Kate, viens. Faut vraiment que je trouve une arme, hein, chers amis. Va vraiment falloir que je trouve une arme. Mais bon, si j'en change un petit peu, j'essaie. En fait, je cherche depuis quelques temps, je cherche un mec qui ait de la gueule. Et Preston, très stéréotypé. Nick Valentine, très atypique. J'aimerais un vrai mec. Tiroir, dis donc. J'y suis allé là-dedans. Cathédrale d'Union Soap. Je n'y suis pas allé, je pense. Ah, allez, on y va. Ça a l'air de tiroyer là-dedans. J'ai envie d'y aller. Qu'est-ce que... On a le pistolet de toutes les circonstances. C'est celui-là, je vais le trouver. Alors voilà, il y a un mode aussi qui augmente drastiquement. L'épaisseur de la fumée. Hop, ce qui rend l'utilisation en fait des différents types de lunettes beaucoup plus intéressante normalement. Ok. Merde. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un PC? Je sais pas. Il y avait un mec ici. Hop, en douceur. Faisons pas trop de bruit. Père Gabe. Vêtements de pasteur, bah écoute, je vais les prendre. Mais il faisait quoi? Il était copain avec les ghouls? Il avait apprivoisé des ghouls. Rien que ça. Parce que c'est ça, c'est stylé, hein. On peut ouvrir les portes là ou pas? Non, pas du tout.
Ok. C'est quoi qui était marqué sur le truc? Je devrais pouvoir t'ouvrir. Cambridge. Donc enfin, non, c'est une sortie. Je dis ça comme ça. Ah bah, bah écoute. Qu'est-ce que tu veux? Allez voir. Vas-y, je t'en prie. Ça a l'air jouable. Je vais tenter le coup. Vas-y, je t'en prie, vas-y, prends soin de te... Prends soin de m'attendre occupé. C'est bon, elle est ouverte. Mais attends, il y a des endroits où on n'est pas allé et... Je veux y aller. Ça peut pas être juste un endroit comme ça. Ou alors si, c'est un de ces fameux endroits juste comme ça. Bon. Pourquoi pas, hein, après tout. Hop. J'espère que j'ai rien loupé dedans. On y va. Mais je vois pas l'intérêt de passer par là. Ou alors c'est que ça mène à un escalier qui est pas atteignable de l'extérieur, en fait. C'est ce que je peux imaginer de mieux. Je vois pas l'intérêt de passer par le côté, en fait. C'est bizarre. Je veux bien, hein. Ah d'accord, ouais, ça amène directement aussi. Zombies, descends-les. Vous savez quoi, on va le faire bien. What the... Oh la vache. Boum. Hop, déjà celle-là. Merci. Boum. Je l'ai raté. Ah la vache, ils me font tellement mal. Ok, on va avoir des problèmes, chers amis, là. Et de 1. Oh putain. Hop. C'est quoi que je peux toucher à 43 là? Allez. Boum. Oh la vache. Bande de sacs. Relève-toi. Ça fait du bien. Merci. De rien, vas-y, vite. Debout. Faut pas rester là. J'en entends encore. Oh la gueule. Le traquenard, quoi. Ils nous attendaient, quoi. Ils nous observaient de loin. Vive l'imagerie thermique. Et dès qu'on est rentré, ils nous attendaient par la porte de sortie, quoi. Yo. Je viens en paix. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu... Ratser enragé? Qu'est-ce que... Merde, j'ai... Ok, il nous a pas vu, parfait. Footlocker, c'est quoi ce bordel? C'est très bizarre. Il y a plein de choses bizarres dans cet épisode, c'est incroyable. Yo! Mais tu te fais avoir, Kate, bêtement. Ghoul. Ah oui, je vois. Ah, vous voyez que c'est bien, c'est pas l'arme qui est puissante, c'était les ennemis qui étaient faibles. C'était les ennemis qui étaient faibles. Explosion. Je commence à me dire que c'était pas vraiment une bonne idée de descendre là-dedans. Non, effectivement, ça n'en était pas une.
Salut les filles. Hop, où est-ce que t'es? Là. Ok, j'ai plus de... Hop. Faut que je recharge. Non, je suis à court. Bien joué. Faudrait qu'il rajoute un système comme quoi si jamais vous faites toucher, vous savez que ça rajoute une espèce de défi. L'arnaque. Genre si vous faites toucher, ça annule le truc. Waouh. Bon madame. C'est stylé ce mode, j'aime beaucoup l'utiliser, mais je pense que c'est... Si vous trouvez que c'est un petit peu OP, dites-moi de moins l'utiliser ou de ne plus l'utiliser si vous préférez. Dites-le moi dans les commentaires. Je vous rappelle que vous avez un certain pouvoir, on va dire, entre guillemets, sur les différentes séries de la Playroom, hein, de la chaîne. Donc n'hésitez pas à demander des choses, à me poser des questions, etc., etc., etc. Par où est Good Neighbor? Par là. Donc on va continuer par là, nous. Ça devait être une sacrée explosion. Oui, je confirme. Je sais même pas si on peut encore employer le terme rasé, littéralement. Hein, parce que là, franchement, vu le niveau de destruction... Qu'est-ce que... Y'a quelqu'un? Non, y'a personne. J'ai pas assez de balles en cette arme. Et si on utilisait celle-là, plutôt? Ça va changer. J'ai pas beaucoup de balles non plus, mais je sais que ça fait une balle à mort, donc... Merde, on n'a pas encore traversé. C'est vrai. Ah, c'est là qu'il y a tous les synthétiques. Attends, t'as entendu? Oh, c'est joli ça, il a réussi à l'enflammer, donc il y a un légendaire qui l'a enflammé, chers amis. Qu'est-ce que... Non, pas sur nous! Merde! Merde! Il s'est passé quoi? C'est moi ou c'est vraiment trop facile? Il y en avait un qui avait survécu. Deux. Comment je peux le rater de là? Comment je peux le rater? Trop de monde. Fuite. On passe par le pont. Non, c'est bon. Pam 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 pam. Hop les. J'ai vu un de tes potes il y a 2 minutes. Hop les. J'aimerais qu'il y ait une espèce de mode finish, s'il vous plaît. Viens par là. On fait pas suffisamment de dégâts. J'aimerais pouvoir le finir, s'il vous plaît. Pas encore assez. Voilà, ça devrait être suffisant. Ah, ça le finit pas. J'aimerais un vrai finish, genre... Un vrai truc qui déchiquette. L'autre il est là-haut. Pas la peine. Vous êtes combien les mecs? Alors sérieusement vous êtes... J'ai un cadeau pour toi. Vas-y Kate. Vas-y Kate. Vas-y. Frappe. Transformé en passoire. Vas-y. Espèce d'enflure. Rends-toi. Hop les, parfait. C'est bien Kate. C'est bien. Hop. Un trou de cul qui nous tire dessus de là-haut. Tu vas voir, ils vont revenir. Où est-ce que t'es? Monte ta tête, je le vois. Merde. Mais si, je suis là. Abruti! Ouais, ça allait pas toucher de façon. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme arme sur nous? J'ai pas envie d'utiliser ça.
Après tout. C'est bizarre cette arme. Ah. Oh, de toute façon, il nous verra pas. Le pont. Où est le pont, chers amis? Quand tu te pointeras, je te tuerai. Ok, c'est bon. Donc oui, dans le précédent épisode, chers amis, je vous avais parlé d'une mitrailleuse lourde plus efficace. La voici, normalement. J'aime pas le bruit. Ah! J'aime pas le bruit, j'aurais préféré un j'aurais préféré une moins grosse cadence de tir. Ah, ouais, j'aime pas. C'est merdique, hein. Ok. Pourquoi pas. On va tomber sur quelques ghouls, non? Même pas? En pleine nuit, comme ça, pas de... par contre, s'il est overpowered aussi, lui... Falloir que je fasse gaffe, moi. Hein. Je vais regarder les dégâts des armes classiques, mais... Enfin, normalement, il est pas censé être overpowered. Hein. Il y a un bâtiment aussi par là qu'on n'a pas... Qu'on n'a pas visité. C'est bon à savoir. Ouais, ça va peut-être un petit peu trop vite pour les buter. Hein. Honnêtement, là, je commence à me poser des questions. Ok, bref, rentrons. Hop, rentrons ici. Good neighbor. Hop. Dormez dans un... Oui, bah c'est ce que j'ai fait au début de l'épisode, mais ça, j'ai couché avec beaucoup de personnes en même temps, en fait. Hein. Oh. Très joli cuir. C'est Mel Gibson. Très joli cuir. Très, très joli. Ok. Oui, on va aller recruter notre ami. Si vous en avez marre de dormir sur un matelas. Alors, par Hôtel Rexford, d'accord. A des chambres à louer. The Third Rail, c'est ici. On est censé aller. T'avais tout compris, Kate, c'est bien. Hop, le troisième rail. Donc, c'est un compagnon classique, hein, il fait partie du jeu de base. Je le précise pour ceux qui ne savent peut-être pas. C'est au sous-sol. Et on avait décidé de ne pas le prendre le moment venu, le moment où on l'avait débloqué. Sympa le Pip-Boy, mec. Merci. Fais gaffe de pas le perdre. T'inquiète. Hello. Salut. Nomade. Imogen Cabot, effectivement, elle est là. Elle. Salut. Ils sont bien habillés là-dedans, dis donc. On dirait qu'il y a un nouveau phénomène de foire en ville. Bienvenue à la maison. Voilà, je vous ai essayé de sembler, j'allais dire. Je vous avais pas bourré, vous. Et bien, effectivement, si je rentre et je vous bourre. Lâchez le morceau. Yo. Vous cherchez toujours du travail, MacCready? Ça dépend. Vous cracheriez dans les 250 capsules? Pfff. Tout est négociable. Je vous offre 200 capsules. Vous lâchez rien, vous. Mais bon, ça marche. Je suis à votre service. Ok, chef. Allons-y. Ah, il me parle bien. Kate, va à Sanctuary, s'il te plaît. A plus, chérie. Elle l'a mal pris, la façon dont elle m'a regardé. Bon, et vous savez quoi? On va partir nous aussi à Sanctuary. Comme ça, moi, dans le prochain épisode, je l'équiperai. Mais ensemble, nous allons quand même aller voir l'amélioration des différentes armes que nous avons pu choper. D'accord, on peut pas se déplacer d'ici, effectivement. Bah, là, ah oui, elle est vraiment colère, hein, elle a tout bourré. Hein. Elle m'en veut, hein. Oh là là. Jouez bien votre coup, on pourrait se faire un max de capsules. Ah, il parle bien. Il parle bien, chers amis. J'aime pas trop sa voix, je sais pas où est-ce que je l'ai entendu. Je l'ai entendu quelque part. Rien de plus accueillant que l'odeur de la pisse qui se mêle aux poubelles. Votre pote, MacCready, a une petite réputation à Good Neighbor. Bon tireur. Grande gueule. Eh ben il va me plaire alors. Merci. Oh, t'es vraiment moche, hein. Mais stylé, mais moche. Ah, la gueule. Je t'aime bien. Faudrait vraiment que j'ai une vraie... Alors... J'aimerais avoir une goule lambda, pas le chef de la ville. Mais bon, malheureusement, on en a qu'une, hein. Bon, on reverra ça, de toute façon, le moment venu. On reverra ça le moment venu. Bon, bon, bon. Bah malgré tout, ça se passe plutôt bien. Hein. Donc on a réussi à aller chercher notre mercenaire, hein, parce que c'en est un, il faut le dire tel qu'il est. Hein.
Texture, s'il vous plaît, c'est possible ou pas? Ah, voilà, merci. Merci, merci. Alors. Donc moi, je l'équiperai entre deux épisodes, chers amis, hein, vous inquiétez pas de ce côté-là. Est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il est arrivé ou pas? Macready, oui, il est par là. Il est là. Kate a pas dû être rentré encore. Bref, on va aller voir les différentes armes. Le G67, ça je m'en rappelle pas, bizarrement. Hein. Est-ce que ce serait la même arme que... C'est ni ça ni ça, on est d'accord. Hein. C'est pas la même arme. Donc le sniper, on a BU-167, il est pas complètement craqué. Le Deagle, 156 de dégâts. Qu'est-ce qui se passe? L'autre faisait 140, donc il y a pas... 96, c'est pas complètement épique. 119, là, par contre, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Pour la cadence de tir qu'ils ont, en fait, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Ok, donc ici, on va mettre... On peut en faire une petite arme, tiens, ça peut être rigolo. Hop. On peut en faire une petite arme, on n'a pas des masses donc. Hop, sans bouche. Ça dépend, qu'est-ce qu'il y a en bouche? Ah. Hop. Une arme de corps à corps, entre guillemets, ça peut être rigolo. Ah, c'est une espèce d'AK-47 en fait, entre guillemets, d'accord, ok. Bon, je vois. Donc je l'ai bien changé, j'ai bien fait de la mettre comme ça, alors c'est cool. Même si je trouve que le pistol grip est vraiment particulier à la fin. Ça va pas du tout hein, au niveau de la forme. Enfin bon, c'est pas grave, peut-être que j'utiliserai pas. Hein. Alors ici. D'accord, c'est pour utiliser du 308. Et je n'ai rien pour utiliser du 308. J'espère que ces pillards paieront cher pour ce qu'ils ont fait. Ah, il manque commando 4, d'accord. Intéressant. Ok, pourquoi pas. Je suis pas... non, il me faut une sulfateuse, j'ai dit. Hop. Alors, celui-ci. Super orange, si, d'accord. Better recall pour... Bon, apparemment c'est la bonne arme qu'on a pour avoir du truc de courte distance. Full stock, assault stock, full stock. Ah, ça peut être joli ça. Ah, oh, oui, elle est jolie comme ça, dis donc, ouais. Oh. Standard magazine, on n'a pas plus tapas. Ah. Faisons dans le lourd, hein, c'est pas grave. Standard sight, ouais, short scope. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, standard sight, c'est parfait. Niveau de la bouche, compensateur, muzzle. Non, on n'a pas besoin de suppresseur. Et là, on ira voir après. Ok, ça a l'air sympa. Celle-ci a l'air sympa. Je vais l'appeler Rambo. 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 Hop. Ah, là il y a déjà un certain respect. Oh, mes munitions vont descendre vite. J'ai déjà payé. On verra bien. On verra bien ce que ça vaudra le moment venu. Par contre, on peut voir quand même qu'elle, elle ne fait que 37. Pardon. Rambo ne fait que 27, même pas encore moins de dégâts. Ok. Et le M14, faudra que j'utilise aussi, ça peut être sympa. Hein. Je l'ai pas amélioré? Si, il me semblait l'avoir amélioré. Standard receiver. Bon, on va faire un shotgun alors. Il me semblait l'avoir amélioré celle-là en fin d'épisode. C'est marrant. Oh, j'aurais juré l'avoir amélioré. Étrange. Voilà, non, c'est parce que j'en ai récupéré un autre, d'accord, voilà, c'est ça. Ok.
Si on met ça, hop. Accessoires. Bipod, strap, tactical light, baïonnette. On va l'appeler. On va l'appeler Leroy. Voilà, hop. Parce que je sais pas ce que ça va donner en fait, donc je préfère l'appeler Leroy. Le coup de main, dis-donc. Merci. Il est gentil, en tout cas, il me fait des beaux compliments. Il cherche du fric. Oh non, encore ces tas de chers ambulants. Ah, il aime pas les ghouls. Ah, la crapule. J'ai déjà payé. Alors, je voulais voir si... On la voit partir légèrement sur la droite. Voilà, hop. En tout cas, elle a l'air badass, hein. Je prends. Ça peut me servir de shotgun. Et donc, du coup, quand tu donnes un coup de crosse... Ouh. Ok. Ça peut être intéressant. Vous avez besoin de moi, monsieur. Boum. Votre pouls et vos signes vitaux se situent toujours dans des normes. Ok, ça passe bien. Ok. Ok, ok, ça c'est cool. Alors j'aimerais revenir sur quelque chose, j'avais dit que je voulais trouver un couteau, Ah oui, il y a des trucs qui sont passés avec The Witcher. Hein. J'ai installé un pack de mods en fait sur un truc et du coup j'ai plein de trucs comme ça qui sont arrivés. Bref. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on a pour notre chère Kate hein. Combat knife, machette. Ça peut pas attendre. Oh, y a rien vraiment, faut vraiment falloir que je trouve un véritable mod qui donne une vraie arme de corps à corps pour Kate, qui soit vraiment stylée pour elle quoi. Donc bah écoutez, on va se laisser là pour cet épisode, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom, donc pas se présenter dans la barre de la chaîne, n'hésitez pas aussi donc à commenter, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez commenter pour donner vos avis sur les différents modes utilisés, donner vos propres modes si vous en avez à me conseiller, donc n'hésitez pas à le faire en tout cas, moi je serais ravi de pouvoir en parler avec vous dans les commentaires, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure, salut les gens, et yop avec ce beau soleil levant. Et moi, j'équiperai ma crédit en essayant de respecter un petit peu son style parce qu'il est pas moche. Il est difficile de déterminer si la surface est plus ou moins sujette. Ouais, il y a moyen de faire quelque chose, je pense. Allez, salut les gens.